not stand in your way. Travaille un peu plus que les autres.
J'ai écrit un discours parce que je suis assez émue. Non. J'ai reçu Richard et Florent il y a 2-3 semaines et j'ai été très touchée par leur histoire, par le sourire de Richard qui m'a vraiment remis le moral ce jour-là parce que ce n'était pas un jour vraiment facile. Voilà. Et Richard, elle a un sourire qui. Voilà, un sourire à l'année. Florent. Donc, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue, parents et amis, de notre mairie du Vésinet. C'est un très grand plaisir, un très grand honneur de recevoir aujourd'hui Richard et Florent pour célébrer leur mariage. Un grand honneur parce que Richard et Florent ont choisi de vivre au Vésinet. Ils y vivent depuis longtemps, ils y ont installé leur foyer. Ils ont 4 enfants, Richelin, Landais, Paul Albert et Chloé. Moi, je la vois. Ils ont choisi de célébrer cette belle réussite familiale en passant devant monsieur le maire, enfin, devant madame la maire. Et ils ont bien raison, parce qu'il y a de quoi être fier, belle famille. Donc ce n'est pas le début d'un voyage, mais c'est une nouvelle vie, un nouveau chemin, à tracer main dans la main, sans jamais vous arrêter, avec la volonté et le profond désir de vous entraider, de progresser pas à pas, de poursuivre votre route vers de nouveaux projets et de nouveaux rêves. Ce mariage, c'est aussi une fête extrêmement importante pour les nouveaux époux, pour les familles, pour les amis et les témoins qui sont là, réunis. Je voudrais avoir ici une pensée pour ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Je pense particulièrement au papa de Florent et de Richard qui sont partis. Donc le mariage, c'est un engagement. L'engagement le plus long qu'on puisse prendre, même si la cérémonie civile, elle n'est pas très longue. Voilà. On va le célébrer maintenant, on va lire les textes. Et je voulais juste féliciter vos enfants, je suis un peu émue, qui doivent être bien fiers de vous, là, de vous voir si beau et entouré de tant d'amis. Voilà, donc on va célébrer le mariage maintenant. Donc nous sommes en possession des pièces nécessaires, toutes les formalités ont été remplies. Nous allons donc procéder au mariage de Florent, Jean, Désiré, Calvitissa, avec Richard, Zita, Kumbissa, Nyangula. Veuillez nous faire connaître s'il a été fait un contrat de mariage. Non. Conformément à la loi, nous allons vous donner la lecture prescrite par l'article 75 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi 2013-404 du 17 mai 2013, des dispositions du Code sur les devoirs et les devoirs respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent et selon son âge et selon son degré de maturité. Consentement des futurs époux. Je voulais un petit peu approcher là, vous êtes trop loin de moi. Voilà, je vous entends bien dire oui. Voilà. Florent, Jean Désiré, Calvitissa, consentez-vous à prendre pour épouse Richard, Zita, Kumbissa, Nyangula? Oui. Il en manque une. Richard, Zita, Kumbissa, Nyangula, consentez-vous
sentez-vous à prendre pour épouse Florent Jean Désiré Kabikissa? Oui. Au nom de la loi, je déclare Florent Jean Désiré Kabikissa et Richard Zita Kumbisa Miangula unis par le mariage. Parce que s'il y a une erreur, c'est le moment de la rectifier. Et puis c'est l'acte officiel du mariage. Voilà. Donc, c'est Madame Salin qui va lire l'acte. Si on lui laisse approcher. Voilà. Après, on va signer. Voilà. Le 20 octobre 2018, à 11h, devant nous ont comparu publiquement à la maison commune Florent Jean Désiré Kabikissa, enseignant-chercheur né à Brazzaville le 10 octobre 1966, domicilié au Vésiné, 4 allées des Coteaux, fils de Albert Kabikissa et de Thérèse Batoila, et Richard Zita Kumbisa Miangwila, opératrice née à Brazzaville le 17 décembre 1977, domicilié à Fontenay-le-Fleury, 2 rue Mozart, fille de Paul Kumbisa et de Joséphine Sikumunu. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de, Jasmin Nzala Ganga, de Rachel Bikumu épouse Nzala Ganga, de Armand Diantété et de Marie Dembeka épouse Diantété, témoins majeurs. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins vont signer avec nous Madame Catherine Bertha, épouse Politis, adjointe maire du Vésiné, officier d'état civil par délégation du maire. Alors. Je me suis dit, là, plein de gestes, souris, ici. C'est vraiment une des souris. Oui, c'est aussi là. Regarde, c'est du bleu. D'accord ? On va signer l'autre papier aussi. Ah, je signe. Les deux. Ah, d'accord. Lève la tête là. Souris. Et dernièrement, on parlait de la jeune fille. Donc, Florent, vous pouvez signer s'il vous plaît. C'est là. Oui, c'est un geste pour signer, c'est un geste, oui, ici. Attention. Merci. Voilà. Ici. Oui.
Là, tu me suis, s'il te plaît. Merci. Tu ne suis pas. Ici. Regarde. Ah oui, ici. Les témoins du marié, s'il vous plaît. Oui, ici. Ici, s'il te plaît, s'il te plaît, juste le geste, s'il te plaît. Marchez. Voilà, ça c'est fait. Donc, je vais trouver les familles, on va le garder parce qu'on va inscrire les enfants. Par contre, les actes de mariage, ils sont à vous. Il y a aussi le livre de l'histoire du Vésinet. Il va falloir apprendre tout par cœur. La mariée, viens avec monsieur, on va vous remettre avec moi. Oui, tu prends. Voilà. Donc, je vous fais. Alors, ça, vous viendrez le chercher dès qu'on aura inscrit les enfants. C'est le livret de famille. Vous avez les actes déjà, c'est bien. Toutes mes félicitations de la part de monsieur le maire. Fatigué. Ma part. J'ai beaucoup apprécié célébrer ce mariage parce que je savais que ça serait une belle fête. Et voilà, tous vos invités sont magnifiques. C'est vraiment. Voilà, c'est pas si souvent qu'on a des beaux mariages comme ça au Vésinet. On est très fiers de vous avoir. Félicitations, tous mes vœux de bonheur. Je vous fais un petit tour. Voilà, je pense à vous. Bien sûr, on est là pour vous. On est là pour vous faire plaisir. C'est ça d'abord. Trop loin.
Elle est où, Sonny? Elle est où, Kylian?
Yakino. Hey, yo. Oh, nah. Oh, nah, nah, nah. Hey. Sin a love, I see by your eyes. Oh. Yo. I love you, baby. I don't think I'm twice. Je suis sûre que si tu as
force et courage pour peut traverser l'orage. Même si la vie où t'a écrit Happy End, c'est ça où on vit. J'ai gagné et puis espoir s'il m'a séché trop larmes. Je suis sûre, je suis sûre. Je suis sûre, je suis sûre. Si tu as confiance en toi, je sais te le rendre. Balan au monde qui t'a souffert, ainsi la terre. Ouvre les goûts, mais ouvert. Et moi, dans sa caisse, ouvre les rivets. Faut bien ou arrêter douter. Si ni sagesse et puis espoir. Je suis sûre.